Et bonjour à toutes et à tous, ici SPRH pour vous faire la suite de notre let's play de Sonic Generation sur PC. La dernière fois, on a fait et terminé les défis de Seaside Hill et donc tous les défis de l'époque Dreamcast. On a récupéré la Cosmic Emerald de Shadow, le rival de la zone, et on a affronté et battu le boss de la zone, à savoir Perfect Chaos. La mystérieuse bébête est revenue, a découvert qu'elle n'est pas les Chaos Emerald, donc surprise, il faut y récupérer les 7. Oh là là, oh là là. Et donc nous avons atterri dans l'époque moderne et on va commencer par ce niveau. Alors oui, le nom est déjà affiché parce qu'il y a un léger fail de record juste avant, mais c'est pas grave. Et on va commencer pour une fois par l'époque moderne, pour un niveau qui n'est pas censé exister. Crazy City. Le niveau tiré de Sonic 2006. Et si je dis que c'est pas censé exister, c'est pour une raison très simple. C'est que sans trop vouloir spoiler pourquoi, à la fin du jeu, tous les éléments du jeu ne sont pas censés s'être déroulés en fait. Donc le fait que ça atterrisse ici, je veux bien que ce soit un hommage. Déjà, refaire un hommage à Sonic 2006, ils ont du cran. Mais... en termes d'histoire, c'est pas censé exister. Et c'est pas grave. Même si l'OS est Crazy City, elle est géniale. Et j'ai une préférence pour le remix classique. En vrai, Sonic 2006, c'est un jeu que j'ai vu en let's play. Que j'ai testé, j'avais testé un jour le mode de Sonic Generation de 2006. Mais avec Unleashed, en fait, j'adorerais avoir une version PC corrigée de tous les bugs de 2006. Parce que bon, il y a Blaze dans le jeu. Donc je suis désolé, mais c'est... voilà. Ouais, mais beaucoup Blaze. Non. Vous êtes absolument pas prêt pour ce que je vous ai préparé pour Sonic Lost World et Sonic Force. Aïe. Par contre, le niveau il pardonne pas. Hein. Je redescends. Merci. Ah, raté. Wolverine, tant pis. Ah, je sais pas où est le chemin, s'il est en dessous de ça ou pas. Non, il est pas en dessous. Voilà. Bon, ça c'est fait. En plus, c'était par là. Beaucoup mieux. Mais Crazy City n'est pas un niveau simple. Bon, j'ai le ring, m'en fous. Et comme je suis mort, on n'aura pas le S, mais c'est pas grave. Alors cette section, dans 2006, elle est sujette à plein de mèmes. De toute façon, le jeu entier est sujet à des mèmes. Eh
Allez, Crazy City classique, avec un énorme troll dans ce niveau. Vous allez voir. Oh, ce remix, c'est trop bien. Aïe. Par contre, le niveau est pas simple en plus. Non, sérieusement. Cet épisode, il commence très très fort. Raté. Oh, si ça passe, sans dégâts. Ah oui, j'ai acheté quelques compétences avant l'épisode. C'est pour ça que du coup, j'ai pas encore activé, mais le classique sonique, il a le bouclier éclair. Et je lui ai acheté le frein pour s'arrêter n'importe où. Aïe. Aïe, je sais qu'il faudrait pas que je booste n'importe comment dans ce niveau. Mais bon. Ah oui, l'arrivée est là. Sauf que non. Et moi j'ai foncé dans Internet comme un demeuré que je suis, mais c'est pas grave. Non, je voulais le ring rouge, mais je me suis souvenu après qu'il n'y ait pas de chemin après. J'ai une note pourrie à la fin de ce niveau. Ah, il est complètement. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce niveau en plus. À l'époque, j'arrivais à le faire plutôt bien, mais. Ça, c'était avant. Tu pourrais sauter sur les plateformes et te manger tous les obstacles. Ouais, je spin dash, j'essaie de sauter après, mais il va trop vite et du coup j'arrive pas à sauter. On va activer ça. Et aussi du double saut. Checkpoint, ça fait du bien. Et
avec l'arrivée, le point d'arrivée qui se balade, j'adore. Je sais pas s'ils ont fait exprès de faire ça sur ce niveau en particulier, ou s'ils voulaient faire le gimmick absolument quelque part. Ah, j'ai quand même un A. Oh. Ah bah j'aurais pas cru. Enfin, Crazy City, c'est bon. J'aurais préféré me passer de ton aide, Sonic, mais merci. Au fait, tu as l'air d'avoir perdu de ton... piquant. J'aime bien. La meilleure perso. Ah, It Doesn't Matter. Thème de Sonic dans le premier Sonic Adventure. Allez. Et avec Blaze, on va pouvoir s'occuper du niveau d'un de mes jeux Sonic préférés. Et ouais, Blaze, avec ses petites notes qui devraient vous rappeler des souvenirs. Un jeu Sonic qu'on a fait sur la chaîne. Un des premiers jeux que j'ai fait sur ma chaîne. Rooftop Run de Sonic Unleashed. Alors, à la merde de Tails, le mode de Blaze change un peu son gameplay, pas la physique. Parce qu'en fait, le modder a fait en sorte qu'elle se déplace comme elle le fait dans Sonic Rush, qui est officiellement le coup de jeu où elle apparaît d'ailleurs. Avec une animation de saut différente et du coup une physique de saut différente. Aïe. J'ai jeté dessus. J'ai eu le ring, tout ce que je voulais. Et moi j'ai foncé dans l'obstacle comme un demeuré. Mais c'est pas grave. Évidemment. Que serait-ce un niveau de Sonic Unleashed sans eux? Sonic Unleashed sur la chaîne, on l'avait fait de la façon PS2 à mes tout débuts de YouTube. J'adorerais pouvoir faire la version PS3 un jour. C'est ça que du coup j'aimerais, une sorte de Sonic Unleashed Ultimate comme il y a eu pour Sonic Colors sur PC. Ce serait tellement cool. Si jamais un jour ça sort, c'est Day One et on peut sur la chaîne Day One, hein, je m'en fous. Parce que j'adore Sonic Unleashed. Les gens râlent beaucoup dessus à cause des phases de nuit. Mais... bon, les phases de jour sont géniales et ça tout le monde le dit, mais ça c'est normal. Mais les phases de nuit, moi j'aime beaucoup en vrai. En même temps, pour quelqu'un qui a grandi avec les gens de Spyro... voilà quoi. Hop là. La musique quand même. Yeah.
Qu'est-ce que j'ai pu le faire ce niveau? En même temps, Rooftop Run, c'est génial. Allez, version classique. Mais ouais, pas de mini blaze, je suis déçu. Mais bon. Le remix classique de Root of Rain est pas mal. Pardon. Ah, quand je suis dans la maison. Ah, je savais pas qu'il y avait une... Là, je viens de découvrir un truc. Je savais pas qu'il y avait un passage ici qui menait à l'invincibilité. Que ça passerait pas. Moi j'ai le ring rouge et c'est tout ce qui compte. D'accord. J'ai pas compris pourquoi ça l'a pas tapé, mais soit. Moi ouais, mes timings à la con. Alors si le Y est différent d'habitude en termes de couleur. C'est le mode de Blaze, j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il changeait de couleur des touches, mais bon. J'aurais dû attendre, moi je suis débile. Allez, la montée de l'église. On l'a pas dans la version moderne, enfin très succinctement. Fallait bien la faire dans la version classique. Bon, il y avait un ring rouge, mais tant pis. Ouais, d'accord. Quoi ils servent les plateformes qui sont ici. Ah, ça c'est complètement raté. Oh, j'ai oublié lui. Rooftop Run classique est un très 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 gros acte. Et on a le S. C'est rare que j'arrive à avoir le S aussi facilement sur la classique par contre. Autant la version moderne, c'est logique. Et 4 O-rings sur 5. Et mine de rien, en plus on l'avait où était le 5ème, j'aurais presque pu faire la run parfaite. Franchement, fier de moi. Merci, Sonic. Tu sais, j'ai comme le pressentiment que quelqu'un ou quelque chose contrôle ce monstre.
Bon, Vector. Alors, Vector, je l'aime pas. On va être très clair, j'aime pas ce perso. Sauf qu'en suivant la logique, je devrais jouer Vector pour ce niveau. Donc, on va rester en classique Sonic, je vais switcher de mode, et vous verrez quand on fera l'étape moderne, bon, vous verrez. Voilà, donc nous sommes toujours sur classique Sonic, mais j'ai changé de mode. Et c'est parti pour le dernier niveau de ce jeu. Donc, à l'heure actuelle, enfin à l'heure actuelle, non, à l'heure où Sonic Generation est sorti, c'était le dernier de Sonic de sortie. Bienvenue sur Planet Wisp de Sonic Colors. Et on va dire, on va être très clair. J'ai beau aimer Sonic Colors, le jeu est cool, hein, y a pas à dire. Mais que ce soit l'acte 1 ou l'acte 2, donc l'acte classique ou l'acte moderne, je ne supporte pas ce niveau dans ce jeu. Non. Donc comme pour Sonic Colors, le gimmick c'était les Wisp. Évidemment, dans Génération, on peut utiliser les Wisp. Donc chaque Sonic a un Wisp différent à son actif. Sonic classique, lui, il a le Wisp rose. Il me semble qu'il faut que j'active ça en fait. De toute façon, déjà dans Sonic Colors, Planet Twist, c'est pas la zone que je préfère dans le jeu. D'accord. Ok, descendu tout en bas, super. Mais dans Colors, j'apprécie pas des masses. Dans Colors, dans Génération, pardon. Donc quand Sonic est en Wisp Rose, il est beaucoup plus lourd que ce qu'il est d'habitude. Ce qui en soi est assez logique. Ces cascades peuvent être cassées qu'en Wisp Rose. Ça et ça, là. Dans le bon sens, c'est mieux. D'accord. Je reprends le méga loin en plus. Je vais activer ça tout à l'heure, ce serait... Ça aurait été mieux déjà. Alors par contre, il s'est passé un truc qu'il faut que je vous dise. Quand vous êtes en Wisp Rose, vous n'êtes pas invincible. Même si vous pouvez rentrer dans plein de trucs, il y a des obstacles que vous continuerez de prendre et du coup de perdre des rings. Même si Sonic continuera d'avancer. Hein. Bon, ok. Voilà, mieux. Fight!
Le timing, Spy. Le timing. En fait, ce niveau, je trouve bordélique à souhait. Mais je sais même pas où il faut que j'aille. Je suis paumé. Voilà, par là. Ça y est, enfin fini. Oh, c'est une horreur. Et j'ai quand même le S. Ah bah dis donc. Donc ouais, l'ATH a changé, vous avez vu dans le... avec le go de la vie et le temps de chargement. Ce n'est pas Vector que j'utilise. Il y a un mode Vector. Je crois que j'en avais vu un à une époque. Mais il est trop gros. Et comme j'aime pas le personnage... j'ai opté pour un personnage qui est vert, qui était déjà présent quand Sonic Colors est sorti, et qui n'est pas présent dans ce jeu, enfin le jeu n'est pas vraiment trop cité, Jet, des Sonic Riders. Et allez, acte 2. Il est un peu mieux, mais... il est un peu mieux. Disons qu'il y a une partie que je suis pas fan. Le début d'étape est très cool par contre. La partie dans la nature de Planet Wisp, c'est cool. Une fois qu'on rentre dans l'usine... Je me suis fait chier pour monter au-dessus pour au final retomber comme une merde. Ah tiens. Même en VF, il cause. Ah, intéressant. Il y a un simple de voix de Jet qui se joue même en VF. Merde. J'étais perturbé parce que je me suis pris le bumper Eggman. Bon, du coup, on va recommencer. Où j'en suis dans cette vidéo sur cet acte. Entre Crisis City et... et Planet Wisp, je suis plus à sa paille. Je vais prendre la course éclair, mais j'ai raté. Ah, quand je fais le combo génial, ça le fait poser. Ok, nice. Bah, ça, c'est mieux déjà.
Ouais, évidemment. Le timing, Spy, le timing. Comment qu'il m'a troll, le mob? Ouais, tant pis pour le S, hein. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Tu m'aimes pas le niveau, c'est pas grave, je t'aime pas non plus. Ok. Super. Voilà, quand on utilise mieux, c'est plus facile. Ah oui, non, c'est avec le truc qui... Bon, tant pis. Tu fais avoir, c'est pas grave. Là, j'ai qu'une envie, c'est de finir ce niveau. J'ai raté le... Le tremplin spécial. Oh là là. Ça sent que j'aime pas ce niveau, hein. Ça se sent que je suis pas dedans du tout, en plus. Allez, run finale. On a encore du chemin à faire, mine de rien. Ah, raté. Ouais, pour ça que j'aime pas ce niveau. Et cette zone en particulier. Parce qu'on peut tout retomber en un rien de temps. Là, j'ai fait le con. On aura pas d'habitude, vous me direz. À la base, je voulais booster, mais je sais pas pourquoi, Jet a pas voulu booster. Allez, on y est presque. La fin de cette purge.
Et là, faut dépêcher parce que le plafond il descend sur votre gueule. Allez, c'est fini. Oh, niveau de merde. Et j'ai quand même le S. Ah bah dis donc. Le jeu est généreux. J'ai aucun ring rouge, j'ai aucun... C'est rien, c'est niette, nada. Là, voilà l'émeraude. J'avais peur parce que quelqu'un m'avait enlevé, mais maintenant je suis libre! Je suis libre! Je suis libre! Je suis libre! Libre! Oh, hey! On a donc libéré Charmy, le troisième de la team Chaotix, qui est sympathique, mais quand il se tait. Donc, nous avons donc les défis à faire, et une fois que ces défis seront faits, il ne restera plus que le boss final, donc fini les modes. Et ouais, déjà. Et déjà, pratiquement la fin du jeu. Et ben, après cet épisode qui aura beaucoup duré, on va s'arrêter ici. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rien de tout, le petit like, commentaire, partage qui fait plaisir, le Discord en description. Et je dis à bientôt pour la suite de ce Nouvelle Génération. Salut !